Plus de 10 ans après la cause Éric contre Lola, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a présenté un nouveau jalon de sa réforme du droit de la famille. Il annonce la création d'un régime d'union parentale pour les couples en union libre, les conjoints de fait, ce qui a bien sûr beaucoup d'implications financières. Le taux de couples en union libre au Québec est passé de 8 % à 42 % de 1981 à 2021, et on est passé de 14 % à 65 % des enfants nés hors mariage au Québec de 1980 à 2021. Avec nous, Hélène Bello, qui est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique et titulaire de la chaire Argent, inégalité et société de la Chambre de la sécurité financière. Bonsoir, Mme Bello. Bonsoir. Alors, c'est une réforme qui était attendue depuis quand même longtemps. Dans quel contexte on arrive avec ce projet de loi aujourd'hui? En fait, c'est justement, il y a eu plusieurs travaux depuis la cause de Lola et Éric. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, entre autres le rapport d'Alain Roy, qui faisait plus de 100 pages, mais justement, rien n'avait bougé depuis une dizaine d'années. Et donc, on est très content que le ministre Jolin Barrette actuellement prenne la balle au bon, si on peut dire, pour changer les choses. Ouais. Et faire en sorte, donc, que l'union parentale, dès qu'on a un enfant, finalement, comme conjoint de fait, bien, qu'il y a une union, comme un mariage, en quelque sorte. En partie, on va présenter là ce que ça veut dire, le projet de loi, par rapport à ce que c'est actuellement et par rapport au fait d'être marié. Comme les couples mariés, le projet de loi va faire en sorte que les conjoints de fait qui ont un enfant, le régime va s'appliquer sur la résidence familiale, sur les voitures et les meubles et sur l'héritage. Oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est un plus, puisqu'il va y avoir au moins un partage, justement, de ces biens. Ce qui n'est pas là, par contre, c'est aussi, c'est peut-être, à mon sens, ce qui manque, c'est, entre autres, la question des régimes de retraite. Parce qu'on sait qu'en fait, quand les couples se mettent en ménage, les femmes réduisent leur temps de travail, les hommes augmentent leur temps de travail, et les écarts de revenus entre les conjoints se creusent, souvent à ce moment-là. Et une enquête toute récente, je pense, est sortie la semaine dernière de la Chambre de sécurité financière, sur les questions d'épargne, montre clairement que c'est la vie familiale et conjugale, mais familiale particulièrement, qui crée aussi des inégalités et qui limite la possibilité pour les femmes d'épargner. Entre autres, pendant le congé parental, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui disent que ces années-là ont empêchées justement d'épargner. Et on voit que données très récentes de 2022 montrent que les femmes ont 30 % de moins de revenus de retraite que les hommes. Et donc, c'est la vie familiale et conjugale. Alors oui, quand les enfants arrivent, mais on peut penser aussi que l'interdépendance et la dépendance parfois entre les conjoints s'inscrit dans le temps. Et s'accentue avec les années. Et entre autres, quand on a besoin de prendre soin d'un proche aidant, c'est encore aujourd'hui les femmes qui le font. Donc, avec enfants, on aurait pu peut-être justement espérer que ce soit non seulement les couples avec enfants, mais également les couples qui sont ensemble tout simplement depuis un certain nombre d'années. Les couples qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas d'enfants, peuvent décider d'adhérer quand même à la protection du projet de loi. Oui, probablement, oui. En fait, je ne suis pas au fait. Non, mais j'entendais le ministre dire ça, qu'il est possible de dire « je veux faire partie de cette protection-là », mais il est possible aussi de dire « je ne veux pas faire partie, j'ai des enfants, mais je veux rester complètement libre ». Je ne suis pas mariée, autrement dit, je reste complètement libre comme conjoint de fait. Oui. Ce qu'on entend beaucoup, en fait, au Québec, c'est que les conjoints ne veulent pas être mariés de force. On l'entend beaucoup dans les médias encore. Oui, exactement. C'est vraiment l'idée, on met beaucoup l'accent sur la liberté contractuelle au Québec. Mais depuis Lola et Éric, au moment de Lola et Éric, on n'avait pas d'études qui nous permettaient de savoir si les gens faisaient un choix libre et éclairé, parce que la liberté contractuelle, c'est vraiment ça. Il faut qu'ils soient libres et éclairés. Et depuis, on a fait plusieurs études qui montrent clairement que la moitié des couples en union libre croient que c'est pareil d'être marié ou en union libre, ce qui est absolument le cas. Ils ne le savent pas. Mais la confusion vient entre autres du fait que la fiscalité et les lois sociales, après 1 an de vie commune ou pour les lois sociales après 3 ans de vie commune ou la présence d'un enfant, traitent les couples en union libre comme s'ils étaient mariés. Donc, ce que reçoivent comme information les gens à chaque année quand ils font leur rapport d'impôt, c'est que c'est pareil d'être marié ou pas. Exact. Et de ce point de vue, là, pour la plupart des citoyens, c'est difficile de comprendre que le gouvernement peut dire une chose au niveau des lois sociales fiscales et complètement le contraire au niveau du code civil. Donc, on vient réduire quand même avec
C'est une avancée. On vient réduire les inégalités, en quelque sorte, qui existent. Oui, certainement, en espérant qu'il y aura en même temps une grande campagne publicitaire et qu'éventuellement, il y aura peut-être une amélioration aussi de ce projet de loi qui pourrait inclure les fonds de pension. Je pense que c'est majeur, les fonds de pension. Je vais revoir le tableau, juste remontrer le tableau pour qu'on comprenne bien, qu'on voit bien ce que le projet de loi fait. En cas de séparation, c'est comme pour les couples mariés, la résidence familiale qui devient partagée, les voitures, les meubles, mais pas le fonds de pension, non. Pas le REER et pas la pension alimentaire à l'ex-conjoint. Et ça aussi, c'est une chose qu'on pourrait déplorer. Les pensions alimentaires ont mauvaise presse. Les gens ont l'impression qu'on donne automatiquement des pensions alimentaires et pour la vie, alors que ça peut être fait... D'abord, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est pas justement tout le monde qui a droit à une pension alimentaire. Mais ça pourrait servir d'outil pour la personne qui gagne le moins, la personne, entre autres, qui a mis beaucoup de temps dans la famille, pour ne pas dire les femmes carrément, pour se refaire une santé économique, c'est-à-dire retourner aux études, retrouver un emploi de façon temporaire. Ça pourrait être vraiment un outil intéressant. Alors ça aussi, ça pourrait être une amélioration au projet de loi. Ouais. Un dernier point, on a introduit dans le projet de loi aussi la notion de prestation compensatoire. Oui. En cas de séparation, un conjoint pourra se tourner vers le tribunal pour faire valoir son apport à l'enrichissement du patrimoine de l'autre conjoint. Tout à fait, comme c'est le cas actuellement pour les gens mariés. Alors ça aussi, je pense que c'est vraiment une amélioration. Et il y a un autre point aussi, c'est la question, oui, de l'héritage. Ça aussi, c'est un plus, parce qu'actuellement, les conjoints de fait, s'ils n'ont pas de testament, le conjoint n'hérite pas, c'est les enfants qui vont hériter. Alors que là, justement, après une année de vie commune, s'il y a des enfants toujours, il va pouvoir y avoir des règles qui ressemblent étrangement, je pense, aux Donc, règles du mariage. Donc, un tiers au conjoint et deux tiers aux enfants c'est à ce ça. moment-là. Ouais. Excellent. Madame Belliot, merci beaucoup pour ces explications, cet éclairage. Merci à vous. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.